cam, 1, 2, 3. Et l'audio. Et la quatrième, non? Non, je la mettrai à la fin, la quatrième. Parce qu'elle n'a qu'une heure et demie d'autonomie. Donc avant de décoller, quand on est au point d'attente, hop. Puis elle apportera rien d'intéressant avant. 3, 2, 1 pour l'audio, maintenant. Avant, au sol, la caméra de droite, enfin de droite ou de gauche. C'est pour ça que celle-là est intéressante, puisqu'elle peut se manipuler. Tu synchronises avant de lancer l'audio? Ça, c'est... Oui, non, mais l'audio, en fait, c'est juste par rapport à la première caméra. C'est complètement indépendant des autres. En fait, l'audio, elle est synchronisée par rapport à la caméra de référence, qui est celle-là. Ici, on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Voilà. Bon. C'est parti. Tout le monde est prêt? C'est bon. Ouais. Depuis une demi-heure, ouais. Depuis une demi-heure. Ah, il y en a, comment il y en a qui cherchent à polémiquer? Oh, comment ils cherchent à polémiquer? Bon, je crois qu'il va avoir peur au vol retour. Tiens, vas-y, tu peux enfoncer Jean-Luc, là. Alors, parce que sinon, on ne peut pas décoller. Là. Alors, ouais, là, j'ai entendu mon bing, là tout va bien. Bon alors c'est laquelle? C'est pas celle-là? Si c'est celle-là mais dans le bon sens. Voilà. Ok. Il est 15h32. Voilà, donc on va mettre, on l'a noté, document avion. Siège réglé verrouillé en ce qui me concerne, le Fran Park. Il est serré, les volets sont rentrés en butée symétrique. Il y a quand même un léger mouvement, t'as vu? Mais c'est vrai qu'en fait on le sent quand on fait ça, mais quand on remonte en arrière, il n'y est pas. Sélecteur d'essence ouvert sur l'aile. Alors t'as vu, c'est sur l'aile la moins pleine. Non mais c'est ça, oui. C'est pour ça qu'il a point d'interrogation, c'est pas correct. Effectivement, c'est son principe. Réchauffe carbu poussé, verrouillé. Toutes les servitudes sont off, il n'y a rien qui fonctionne. Les deux disjoncteurs sont bons. Contact, batterie. Donc on a 3. Donc on a 30 et 30. Donc là on a 2 heures de vol dans chaque, plus plus de 2 heures à l'intérieur. Je pense qu'on va pouvoir naviguer longtemps avant de rentrer. J'ai dit une connerie peut-être. Contact batterie, je l'ai fait. Alarme. Ok. Balise de détresse. Allez, oui, c'est la balise. Elle est là. Feu anti-col. Il est sur on. Verrière, tiré, attaché, sécure. Bon, on va dire qu'il est tiède. 1, 2. Alors. La mixture, je ne l'avais pas mis. 1, 2, 3, 1 cm. Personne devant. Ça monte. On a. Et là. Voilà. C'est passé dans le vert. Hop, ça se charge. 3, 4, 3. On est bon. 1, 2, 1, 2. 4, 5, 6. Ouais, ouais, je reprends. Bon. Et je vous reçois également. Jean-Luc également. Out and clean. On va s'attacher un peu aussi. Ça peut être utile. Oui. Donc en gros, là on a 30 et 30, on a 60, on a 169 je pense. Non, ça oui, ça j'ai... Oui, ça. Presque. Donc... Ok, je suis... Ça c'est vous? Je crois que ça s'appelle... Bonjour. Châteauroux, Passe Hôtel, Bravo, Zulu Romeo, APM30, deux personnes à bord en provenance de Châteauneuf, destination voilà. De Chauvigny actuellement à 2000 de CQNH, et transpondeur 7000. Montargis.
Agent au verre adjoint. Je suis sauté de Bravo Zulu Romeo. Le QNH 1014, unité 0, unité 4. 30 70 50. Attention, planeur dans deux secteurs. Rappelez pour quitter la fréquence. Ah, le code de Montargis, Pascal. Montargis 50 au transpondeur. Vous pouvez répéter le QNH. Sur 1014. Le barreau, il était 1014, il me semble. J'appelle pour quitter le Romeo. Et nous le disons. Opinule. Alors, première route, c'est fort. Le cap, le mail a pu le rechercher, 2100. Voilà. Mettre de secours, j'ai 120. Ceinture air attachée, 3 points. L'appel, le transpondeur, l'heure. Alors, j'avais pas noté l'heure, c'était 33. Voilà. À tout à l'heure pour les essais moteurs. La première fréquence qu'on aura, ça sera... Ah, finalement, on n'est même pas passé avec, avec Poitiers tout à l'heure. 124. Poitiers, voilà. Ok. C'est bon pour vous derrière ? Devant. C'est bon. Parfait. On est où ? On est à côté de la pompe. Ouais. Châteauroux Info, dit Foxtrot Oscar, rebonjour. Foxtrot Oscar, Châteauroux Info, rebonjour. Donc Châteauroux Info, le Fox Golf Mike X-Ray Oscar, DR400, 4 personnes à bord. Au parking, donc, avitaillement, nous sommes prêts à rouler, on demande les informer les paramètres météo. La piste 21 en service, vent 270 degrés 14, maximum 18 nœuds, variable de 40 au 320. C'est cavoqué, la température plus 23 degrés, point de rosée plus 9, et le QNH 1014, unité 0, unité 4. Unité 0, unité 4 pour le QNH, piste 21 en service, donc on roule, et on vous rappelle quand on sera prêt au point d'attente. Roulage à convenance depuis la station via Tango 3, Tango 2 vers le point d'attente Bravo. Rappelez point d'attente Bravo prêt, donc je confirme transpondeur 70-50. 70-50, je l'affiche. J'ai pas pris votre destination. Et autant pour moi, je vous l'ai pas dit, c'était donc destination Lloyd, il n'y a pas Paliba. C'est noté. Alors... Rodecar, vous ferez attention, il y a des planeurs pas mal dans le secteur qui sont pas forcément équipés de transpondeurs mais qui transitent autour d'Issoudun et autour de Châteauroux qui vont vers le nord-ouest notamment. C'est bien reçu, donc nous on va faire une montée initiale sortie main à gauche pour remonter vers Virzon. Donc a priori ça devrait être bon alors. Bien pris. Ok, donc j'en étais. Bonne. Température elle est bonne. Donc on va prendre cette année. On est parti à 37 on va dire. Par contre tomber pour remonter la piste. Alors que là on a que la moitié donc. Quand on est au sol, 1000 tours, c'est mieux quand même. Une ligne jaune. Bizarre, c'est qu'elle n'est pas sur le tarmac, on va dire, on la voit que sur le taxi.
devant est complètement de travers. Ouais. Bon, j'ai le manche complet à gauche, mais... Ah ouais, puis après, ça marche bien à droite. Ouais. Bon, attends, il y a des trucs sur la ligne jaune, ça... Marc, tu me diras, l'impression que je fous les roues dessus malgré tout. On t'entend pas tout le temps quand tu parles. Ah bon? Bon, en tout cas, on a l'axe, hein, 0.32. Je vais le remettre en Châteauroux pour essayer un radio. Hôtel Bravo, je le remets en Châteauroux pour essayer un radio. Hôtel Bravo, Zulu Romeo, cité. Zulu Romeo, le transpondeur 7000 et peut-être essayer Poitiers 124.00, mais je suis pas certain qu'il y ait un service s'y est rendu aujourd'hui. Et donc transpondeur 7000 et la convenance pour quitter, bonne journée. Bonne journée Zulu Romeo. Situé en fréquence, je confirme le transpondeur 7000. Ça se lourd bien, ça tourne. Problème de commun. Ouais, elle entend pas. C'est dire que ça fait travailler les jambes, là, les muscles des cuisses. Sur les freins, verrouillé entre 3 et 4. Là, voilà. Et les essais moteurs, la roulette donnée, le frein de parc, le sélecteur essence, il est pour centrale, la pression d'huile, elle est bien verte. On est passé dans le vert, la pression d'essence, elle est bonne. Les commandes sont tenues, les pieds sur les freins, 2000 tours. Magnéto de 1, 80 tours. Et de l'autre, métrique. En 50, bien frappé. Verrouillé, on l'a dit. Tout réduit, 700, stable, pas de détonation. Tours. Alors, alternateur, c'est bon. Bon. Alors, serrage, frein de parc, contact magnéto sur boss, alternateur, on, 2, charge, on est bien à droite, donc tout va bien. Réchauffe carbu, je l'ai poussé, je l'ai verrouillé. Sur, elle est en haut. Essence, toujours sur le central. Autonomie. Donc on a une heure à gauche, une heure à droite et au minimum deux heures dans le centre, si c'est même pas trois. Non, deux heures et demie. Donc on a 4h30 de vol. Autonomie, horizon artificiel de secours. Hein? On a dit 1014, on est à 1016. Commande. Alors avant. R. C'était au maximum.
temps, je sais pas, il m'avait semblé sentir un truc bizarre. Bon. Droite, gauche, ballonnier. On est ok, je tiens toujours les commandes. Compensateur entre 3 et 4. Ceinture et harnais, tout le monde est attaché. Allez. Oui, attaché. Pompe. On. Un cran de volée. 200 tours. Pression, alors température. Pression, température, dans, on est bien dans le vert. Essence, on est bien dans le vert. Briefing décollage. Donc, Châteauroux, on s'aligne sur la 21. On décolle. J'ai perdu ma carte VAC qui a dû se balader ailleurs. Là. Donc, on décolle. Ah non, c'est un... Donc, 21. Ouais. Donc, en main droite. Ok, bon, partir en main droite. Donc on demande une montée initiale main droite, le tour de piste 1500 pieds, donc j'ai cherché d'office 2000 pieds sur le circuit de piste, sortie vers le nord, première route 033, c'est-à-dire qu'en fait on part dans l'axe de piste, ni plus de moins, 032. Ok, donc je demanderai ça, affiche simple. Montée, vitesse de rotation 54, montée initiale 70, 80 montée normale, rapidement 99 sur celui-ci, 500 pieds. 300 pieds sol, c'est-à-dire à 800 QNH. On rentre les volets. Cette panne, quelque soit avant, on freine, on sort, on taxi parlie, on prévient. En cas de panne mineure après rotation, on fait un circuit main droite. Ah ouais, main droite pour le coup, ce qu'il nous a fait tout à l'heure. Avec un pas de panne au contrôle, on va se poser sur la 21. En cas de panne majeure après la rotation. 89 vitesse de plané, on a 3 km devant nous, enfin non pas tout à fait, quasiment. Et on devrait pouvoir se poser si le problème se présente rapidement. Le vent il est travers modéré de droite, donc ouais. Bien à droite. Donc manche à droite, gauche. Et tout bon ? C'est bon. Et puis il n'y a pas d'oiseau ici. Ok. Juste à savoir, là on va pénétrer, ça sera le pont Bravo, on est à Bravo. Ouais, tout à fait. Donc on n'a pas toute la piste, on a... On a 3 km. Ouais. Puisqu'elle fait 3005 en tout. Ouais. Donc, à moins qu'ils nous ont fait aux alliés là-bas, mais je pense qu'on est... Ah oui, non, c'est bon, oui, on peut s'aligner par là, à droite. Voilà. Alors, on va lancer une caméra, mais on prévient qu'on est ok. Moi je m'étais dit, faut la mettre plus haute. Intéressant. Voilà. Tout en route. Vous êtes bon pour vous? Tout le monde est prêt? C'est bon. C'est bon. Johan. On s'accroche. Il est 30, 40, 48. 48. Châteauroux, information DX et Oscar. Point d'attente Bravo pour la 28. Je suis prêt. DX Oscar pour information depuis l'intersection Bravo. 2500 mètres de piste disponible. Vous souhaitez remonter? Négatif, 2500 mètres, c'est largement suffisant pour nous, merci. Oscar, piste 21, alignement décollage à convenance, vent 300 degrés 13, maximum 18 nœuds, et rappelé en sortie pour quitter. C'est bien reçu, un rappel en sortie pour quitter. Donc on fera finalement une sortie main droite, hein, comme sur le circuit, comme c'est suggéré. On montera 2000 pieds, on se mettra dans l'axe de l'avant-arrière et on partira vers l'avant. Écoutez, main droite ou main gauche, il n'y a pas de souci pour moi, c'est comme vous le souhaitez. C'est bien reçu, merci, donc ce sera une main droite. Merci, d'accord. Alors... Elle est quand même bien large, hein. Ouais. On relève le take-off. Alors on a un cran de volée, la pompe, gauche. Talon plancher, avant, manche à droite. Manche à droite. Badin actif, pas d'alarme. 39, 42, 46, 48, 50, 58. On les a. Montée initiale. On peut la main. Bon, on va empêcher de gueuler quoi.
Donc on a 5 nœuds de droite, voilà, on est déjà à 80 nœuds. Non, il était réglé là. Parion, salut la 6. J'allais dire, il y a un peu plus de vent là. 80 nœuds, 800 pieds. Une pompe. Pas de volée, on a eu plein gaz. Volée rentrée. On attend d'être sorti de la piste. Déjà 90 nœuds. Allez, on vire à droite. C'est étonnant quand même qu'il sonne à ce point-là. Ouais. C'est chiant, oui, parce qu'à chaque fois, t'es obligé de regarder. Ouais. C'est stressant. Hein. Oui. Donc, prends la vitesse comme ça, t'es tranquille. Ouais, alors, prends la vitesse. Voilà. On va se faire un petit tour à. C'est mieux de pied, peut-être, et à droite. Ouais. Là. 92 nœuds. Allez, hop. On vire. Au-dessus de l'autoroute. Ouais. Première route 033. Voilà. Et on cherche. Pieds. Alors le premier c'était 2100, donc j'avais marqué tout à l'heure. On va rester quand même. Voilà. On arrive à 2100. On est un peu à l'intérieur, mais on est OK. Voilà. OK, on part, il est 52. 12, 52, 04, ça fait 16 heures. Et on prend la route. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, ça fait pas 4000 ces nuages-là. Ouais, tu vois, c'est très... Oui, de sol, c'est très difficile, tu peux pas savoir. C'est vraiment compliqué de juger. Ouais, tout à fait. Bon, mais je viens récupérer ma carte à ce moment-là. Merci. Donc, Bourges. Ok, je garde celle-là en attendant de m'éloigner un petit peu. Les axes sont loin maintenant là. Oui. Ok, donc je prends l'axe. Route 033. Bon, on n'est pas secoué 2003. Ça va, non, ça va. Bon, on va y rester. 033, c'est un peu plus à droite, ça. On a 10 nœuds de gauche, 10 fois 5 degrés. Le vent est dans l'axe. Voilà, ouais. Châteauroux Info, donc Fox X-ray Oscar, on est en navigation. Donc on peut vous quitter. Au revoir monsieur, merci, bonne journée. X-ray Oscar, le transpondeur 7000 et peut-être un info si vous le souhaitez, Poitiers 12400. Je ne sais pas s'ils sont disponibles aujourd'hui. Essayez si vous le souhaitez. Bonne fin de journée. Effectivement, on va essayer, on verra bien. Merci monsieur, au revoir. Tout, bonne journée, merci. Alors Poitiers, on l'a pour quelques minutes. Ouais, jusqu'à 20 Vierzon. Ouais, jusqu'à Vierzon. Bon, on va voir s'ils sont là.
5 minutes, ça vaut même pas la peine en fait. Hein. J'ai même pas envie de les appeler. C'est intéressant tout à l'heure, mais là au retour, non. Au revoir, on est là, le NDB en route. Ah, il doit y avoir un NDB quelque part en dessous là. Ah, je reconnais juste au-dessus. Ouais. A priori, ouais. On a une transversale qui amène à la route là. Éolienne. On n'a même pas fait de plan de vol, c'est bon ça. Oh, je vais pouvoir nous perdre. Il a fait. Et pourquoi il est pas actif alors là? Ah oui, parce qu'on est pas dessus. On a trop zoomé. Trop zoomé. Pour voir, on avait... Ah mince, j'étais content d'aller se perdre et tout. Ah, Johan, oh là là là. Et les gars, j'ai le plaisir là. Ouais, 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 ouais. On peut zoomer si tu veux, moi je cache comme ça, ouais. Je regarde. En fait, j'ai une meilleure idée, on va faire un truc en spirale comme ça, et on ouvre les yeux. Donc on va mettre plus de 6 degrés. 2100 pieds. Bon, ça c'est la partie monotone du voyage, hein. On est haut, on va en ligne droite. Tout à l'heure on se rabat, puis on va venir volter. Normal quoi. Un vrai vol VFR. Alors, Obidi, non. Vierzon, j'ai vu que c'était un terrain restreint en fait. Ouais, quand tu vois la longueur de la piste aussi. Ah bah là oui, t'as vu, on était déjà pratiquement à la hauteur du tour de piste en sortant quoi. Ah, ouais. Faire ça te là. Parles de que lequel Hein? Tu parles de Vierzon? Oui, oui, je vois le Vierzon, l'aérodrome de Vierzon là. Oui, une petite piste déjà. Ah ouais. Ouais. 180 mètres. Ah oui, d'accord. Combien tu dis? 680. 180, ouais c'est ça, ouais. Ah bah regarde, c'est pas compliqué, on voit nos gens là-bas. C'est pas nos gens qu'on voit? Oui, le centre de nos gens. Non, ah ouais. Non, ouais. Saint-Laurent. Et nos gens, elle est quand même beaucoup plus haut. Ah hein. Ouais. Cela étant dit, au 030, ah si, ouais, c'est ça, Orléans, c'est un peu décalé, ouais. On a la centrale de Saint-Laurent. T'en as une à gauche, là-bas? Non, sur tes 10 heures. 10 heures. Ah bon. On la voit sur l'horizon également. Ouais. On va faire un truc. La prochaine fois que t'as un mouvement comme ça, moi je secoue l'avion. Bon, on va hop. On va voilà. Ça, c'est bien, Yohan. Ah, Laurent, pendant la formation, j'imagine que comme n'importe quelle formation, tu fais à la carte, etc. Oui, oui. Mais vous faites quand même une étape avec SDVFR ou je sais pas, quelque chose, il y a un élément de formation sur cette application ou pas? Non, jamais, non. Enfin, jamais. On a eu au sol une présentation de SDVFR par un instructeur. Ouais. Et voilà, avec un petit exercice de préparation de nav sur SDVFR, mais on n'a pas fait, on a pas utilisé en vol. D'accord, c'est ça. Ça reste strict dans le cadre réglementaire de... Ouais, c'est ça. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas mal, j'ai vu sur une autre vidéo là un instructeur à François Suter, je sais pas si tu le connais là, au Muro, il faisait des vols d'instruction avec SDVFR ou avec un autre logiciel pour s'entraîner à naviguer avec ses instruments. D'accord. Bon, histoire quand même de présenter un minimum de... Et bon, c'est après la formation ça, non? Ouais, je crois que c'était un petit bonus quoi, c'était en dehors du PPL. Alors je
suppose que ça, c'est la ville de Virzon. À Saint-Claudic, on a un trafic 300 pieds au-dessus de nous. Devant Pascal. 300 pieds au-dessus de nous. Oui, il y a un trafic qui vient de par là. D'accord. Par notre 1 heure. Maintenant, il est à 400 pieds au-dessus de nous, 500 pieds. Voilà. Bah, je vais rester donc lui, il est à 2005. Voilà. Attention, mais là, on n'est pas très loin des... Non, non, mais au-dessus, on est 1800 altitude de sécurité. Ouais, je l'ai aussi sur iSafe. Ouais, je vois. Tu connais l'application FlySafe? Moi, je connais Safe Sky. Safe Sky, oui, c'est Safe ça. Sky, ouais. Ouais, je l'ai, là, je l'ai ouverte, mais je... Non, je vois pas le trafic. Ok, c'est bien. Ce sont des planeurs, là, je pense. Ah, regarde, tourne. À quelle distance il est? Donc on a Virzon par le travers. Le terrain, il est sur les avants à gauche. Je vais m'éloigner un petit peu à droite pour être sûr de ne pas rentrer dans leur secteur. Vous avez repéré le trafic? Le trafic, non, visuellement, non, j'ai pas de contact visuel. Je l'ai toujours ici. Il est 1300 pieds au-dessus de nous. Il est à côté de Bourges. Je pense qu'il vient de décoller de Bourges. Ah. Donc le terrain, ah bah tiens, Virzon en vue là. Oui, je l'ai en vue. Ok, donc je dérive à droite. Personne à droite, tout va bien. On plonge et on remonte. Non, non, c'est pas simulateur, Jean-Pascal. Tu te trompes par contre, la vérité. C'est ultra réaliste aussi. Même les avatars dans le simulateur, ils s'étaient rires. Encore loin de la ligne jaune. Voilà. 2000 pieds. L'autre il s'est barré là sur la gauche. Non, il est toujours non, il est toujours en face de nous, à 2000 pieds plus haut au-dessus. D'accord. En montée. Tu sais, tu n'utilises pas le point terrain quand tu fais map. Ouais. Après le terrain. Et comme ça, les gens te voient là, on va te jump, passer le relief. Si c'est tout jaune, c'est pas bon, et si c'est rouge, c'est grave. D'accord. Non, rouge, c'est une belle couleur. Ça prend trop tard pour apprécier. Je préfère le vert, donc on va rester dans le vert. On reste dans le vert. Et là, l'autre, il est remonté encore. Donc on salue les copains de Virzon, même s'ils sont pas là pour nous entendre. Donc là, on va... À mon avis, il n'y a pas grand monde sur la fréquence. Hein. Donc à droite, on a Limoges. Et après, ça sera Seine. Ça va toujours être off. Hein. Proche. On a autant d'informations, j'imagine, qu'on va l'aller. Bah, sans doute, ouais. La route suivante, ça sera du 036 0 mini. Bah, en fait, non. Bah, c'est un planeur que je vois au-dessus de nous, à 4000 pieds. Bah, c'est possible, c'est un planeur. Il est où? Ouais. Je crois apparemment, il est sur la droite. Ah oui, ok, pas visuellement. Je le vois sur... oui, sur tout à fait. Et un à gauche qui a 3600. Planeur aussi à 3600. Bon, donc on peut remonter un peu là. Ah, 2000. Ils doivent se faire plaisir les planeurs là. Ah ben là, ouais. Bon, ben c'est joli. Alors on a dit 0.36 et il est 0.4, on passe à l'heure prévue. Distance. Ah tiens. Ah, il me manque une information, c'est pas grave. Alors c'est à partir de là où ça devient drôle.
peux. En fait, à partir de là, on va laisser passer les îles et dériver à droite pour ensuite mieux aller à gauche et chercher Obidi. Tout à l'heure, il m'a fait le coup aussi, tu sais. Série d'une centaure, ah, et puis après 2004. Ah, c'est oui, c'est vent, ouais. Pas mal de vent, ouais. Ouais. Ah, il redescend, ouais. Ouais, ouais. Alors. Je vais me prendre du 0.34, ben ça me va bien. Donc devant nous, il y a une ville, quelque part. 5 nautiques. Je vois que la forêt devant nous, moi. 5 nautiques. Ok, ben je crois que j'ai repéré le radio télescope. Même pas drôle. C'est pour ça qu'ici, il fallait être 800 pieds sol. Pour prendre une ligne, ensuite tourner, suivre la route et aller chercher le radio télescope. Et à gauche, là-bas. Ah là-bas, ouais, le truc, un grand truc là-bas. Il y a un autre, ouais, ouais. Donc je pense que la ville qui m'intéressait, ça doit être celle-là. Et bon, comme on sait qu'il est là-bas, on y va quoi. Alors l'altitude de sécurité ici, c'est 1200. Ah, sur une forêt, c'est mieux de prendre un plus ça. Et si on descend, ben oui, forcément. Maintenant, est-ce que c'est bien ça le radiotélescope? Ah oui. Ouais, ouais, c'est lui. Ouais. Ah oui, on l'a déjà vu, mais c'est... Oh. Il n'a même pas de suspense. On est symétrique, très bien. C'est beau, c'est fabuleux. Il y a une petite route là, avec une route qui part en diagonale, c'est peut-être celle que j'avais voulu prendre. Un patelin, une route. On va la suivre, on va voir si c'est celle-là. Ah, il va y avoir un château sur la droite. D'accord. Ah ben on le voit là-bas. On le voit là-bas, oui. Ah, ah oui, on va à 14h. Château bon, du Grand Chavanon. On va aller le voir. Il y a un château là-bas, là-bas dans haut. Ah ouais, là aussi. Ouais. Il y a un là. Il y a un château, on va le voir. Ah, sinon je l'ai pas sur la carte. Devis sur Barançon. Apparemment, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Hein. Petite demeure, modeste. On recommence hein. Les antennes un peu à gauche. Bon, et une piste du LM en face, c'est bien. Je vais la tenter. Ça pourrait. Ok, donc il y a une route dans la forêt. Ouais, ben c'est celle que je voulais en fait. Sans doute. Il y a de l'eau, enfin ici il y a de l'eau partout, alors c'est pas un point de repère vraiment fabuleux. On va se mettre sur le réservoir. Un terrain. Clac, clac, clac. Réservoir gauche. Non. Table. Pas de voyant. Pompe. Enfin. Et 10. On reste 20 minutes dessus. Combien ? 20 minutes. Ouais, 20 minutes. 20 minutes. Ouais, ça permettra de le vider un petit peu quand même. C'est 20 minutes. 20 minutes. Ouais, c'est un peu trop je trouve, mais ok, vas-y. Bah regarde, on a une heure dans chaque oui, mais t'auras pas 20, si tu vas faire 20 et 20, pour un 40... Oui, non, c'est juste pour épurer un petit peu.
mon avis, on pourrait même mettre une demi-heure, en fait. Hein. Oui, mais après, t'as le temps d'arriver à destination, tu seras peur. Ah oui, bah t'as oui, pas le temps d'équilibrer, donc... Ouais, c'est pour ça que je suis resté que sur 20 minutes, pour être sûr de ne pas avoir de... Donc combien? 20 minutes. Le commandant de bord a décidé 20 minutes. Bon. Ça fera 20 et 20, 40, il nous restera une petite demi-heure, sans doute. Ok. Bon, voilà, le radiotélescope à droite. Tout le monde le voit? Oui. Ouais. Un sacré réseau d'antenne quand même. Ouais. On incline l'avion, on incline l'avion, on incline l'avion, on regarde en bas, on pousse l'avion sur la droite et hop, on revient à gauche. C'est pas interdit là de survoler, il n'y a rien de... Non, rien de particulier. Non, il n'y a rien. On regarde encore un peu derrière. Bon. J'arrive pas à régler ce machin. Alors, on reprend la route qui est du 0 quelque chose, 30. On va avoir une chance de tomber sur Aubigny du 60, 50. Aubigny, c'est quelque part plutôt à droite. Hein. Ouais. On peut le voir encore derrière, là. Ouais. Ah, attention, Johan, je vais le faire. Bon, on n'est pas très sécure à 1100 pieds. Ouais, là, quand tu vois le joint comme ça, c'est pas... Ah ouais, effectivement. C'est sûr qu'il à quelle hauteur il indique rouge, lui? Je sais pas... Ah bah non, on va le savoir. 500 pieds sol, non. Combien, à l'intérieur étage, 500 pieds sol, c'est rouge. D'accord. Ou 700, je sais pas, 500. 92 nœuds de montée optimale. On est sur du 25, on va chercher un petit peu à droite. Alors là j'avais prévu, normalement j'avais prévu 1400 pieds. Ça c'était calculé par rapport à une altitude. Bah tiens, LFEH il est là, tu vois. Ah bah, pas mal. Ouais. Alors, 2300, c'est bien. On est bien 2300 là. Il y a plein de plein air autour de la Loire, là, après Aubigny. Ah oui. En plaisir. Le Aubigny, donc on a une villa. Et ici, il y a une route qui mène à Aubigny, voilà. Donc ça, c'est la route qui mène à Aubigny. Le terrain, il doit être quelque part à gauche, là. La trouée qui est là. Et surtout pas le central. Ah, pourquoi? Alors en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas une bonne idée de passer entre les cheminées. La centrale de Gien. Tu peux passer entre les cheminées, mais... Ben, pas ouais. Sûr que c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est mon copilote qui voulait avoir des sensations fortes. Bon. Alors Aubigny est là, et le terrain, on le voit, il est quelque part à gauche, là. Non, c'est pas le terrain, là. Et d'arbres. Alors soit c'est là, soit c'est là-bas. Alors c'est pas là. Hop, yeah! Ah, j'adore ça. Pas moi. Moi à l'arrière parce que moi je touche. Encore, encore. Aubigny, le terrain là-bas. Je vois le terrain. Dans l'ombre. Ouais. Au milieu de la forêt, il y a plus à droite. Ouais, au milieu de la forêt, avant la ville, juste avant la ville, ouais. Il y a deux forêts à droite à gauche. Ouais. Et au milieu, il y a le terrain. Celui-là qui est dans cet axe-là? Aubigny, oui. D'accord. Tu vois pas? Je le voyais plutôt dans un axe nord-est. Ouais. Parce qu'il est orienté sur la ville, ouais. D'accord, oui, ça doit être ça. Bon. Oui, cette piste en dur. Ouais. On va aller de seuil. D'accord. Donc on reste à cette distance, on est bien. Grande route en face de nous là.
de distance. Alors le terrain à droite, ça, ok. Donc là on a dépassé, on va pouvoir s'annoncer sur... un noir à gauche. C'est l'information du X-ray Oscar, bonjour. Si je scène 2 et 3 ne sont plus actifs, les informations météorologiques sont disponibles sur les affiches des aérodromes. En cas d'impératif lié à la sécurité du vol ou urgence, contactez scène approche 118.050. Information de vol indisponible sur la fréquence 134.3. Pour pénétrer en CTR ou TMA de classe D, contactez 118.050. Toutes les zones sont considérées comme actives de référer au NOTAM et à l'AIP. Flight Information Services, SEL 2 and 3 are non à partir d'ici, on oublie la navigation. Et on va naviguer à vue. Donc la centrale est ici, la ville de Gien, elle est là. Elle est là. Moi je vais aller à droite de Gien. Donc radio télescope. Victor Alpha sur 134-875. Très clair, Victor Alpha. Et 135, Cimé à Blois, unité 450, on est prêt pour la descente. Fox, Delta Fox descendait initialement niveau 7-0 et ce sera un espace aérien contrôlé en dessous, un espace aérien non contrôlé en dessous du niveau 67. Et Fox Delta Fox, on commence à descendre vers 2100 pieds, on a copié le espace aérien non contrôlé en dessous du 7-0. SAMU 89, bonjour. SAMU 89, bonjour. Un hélicoptère 135 avec 5 personnes. Décollage de sens pour Dijon à 2000 pieds QNH avec 75 pour les informations de vol. Eh bien, SAMU 89 du parachutisme et du planeur à Saint-Florentin, vous éviterez le secteur et vous êtes identifié. Je vais éviter Saint-Florentin et identifier SAMU 89. Et c'est l'info, le largage nord, mais qui en descente à Montargis. Ensuite, ça l'aura tout à l'heure. Donc on a une petite tache jaune. On a de l'eau, on traverse de l'eau. Et ça c'est un Fox, vous avez une tache régionale pour Blois s'il vous plaît. Voilà, donc on est là. Alors j'ai un régional à 1013, j'ai celui de Orléans-Bexy qui est à 1013 et j'ai pas d'autres QNH, je peux vous donner tout également. Non ben là c'est parfait, 1013, merci beaucoup Fox Delta Fox. Et à Tours il est à 1014. C'est parfait, merci. Donc vous êtes en auto-information à l'arrivée, vous clôturez le plan de vol avec le BTIV, vous avez le numéro? Absolument, Fox Delta Fox, et ensuite on repartira, pareil, on fera Blois, Mortagne en ISR. Vous avez un numéro éventuellement, parce que ce sera avec vous j'imagine, pour ouvrir le plan de vol et avoir la carence. Alors en fait, on va pas vous donner les clairances par téléphone parce que ça pose trop de problèmes, on a énormément de coups de fil autrement, mais par contre vous décollez en VFR VMC, vous nous contactez sur 134.875, la fréquence actuelle. Ah, il y en a un autre, ça va. Et on active dans la foulée votre plan de vol IFR en vous donnant la clairance dans la minute qui suit. C'est bien pris. Ah non, la centrale c'est là-bas. Bah, oui, c'est la Fox, merci beaucoup. Golf Ecomike. Apparemment on a un trafic qui est pas loin. Golf Sierra Uniforme Ecomike. Go ahead, Golf Ecomike. C'est Laurent. Golf Sierra Uniforme Ecomike, call me back on. J'ai l'impression qu'il y a un trafic qui est pas très loin là. Je le vois sur Sierra Sky. D'accord. Ah, il est passé derrière. C'est pas moi parce que... Hein? C'est pas mon application. Ah oui, c'est peut-être. Parce que moi aussi je te vois en rouge. Ah oui. C'est ta Foxy...
une fois que vous êtes poursuivez la descente, donc sous votre responsabilité est inclinage de 1013 régional, vous êtes en espace aérien non contrôlé, vous me rappelez pour contacter Blois en auto-information. Je vous rappelle pour contacter Blois en auto-information, poursuivez la descente vers 2100 pieds et on les a en COP2 déjà, Fox Delta Fox. C'est parfait. Golf Echo Mike, loud and clear, direct Lima, Golf Lima. Sorry, Lima, Golf Echo Mike. Donc on passe à côté de chien. Echo Québec, c'est Sino Transpondeur et directement avec Lone, il vous parie un photo. Donc la Loire, un peu plus loin sur la gauche, on est suivi en Loire. Et donc avec Paris, et je débute des points. Fox Hotel Sierra Rapé en vue de Montargis pour citer. On va faire en vue de Montargis pour citer. Alors le sol ici est à 700, 800 pieds. On est 1400. Charlie Alpha pour le 105 après-midi. Charlie Alpha rappelé avant le largage. Parfait d'avant, Charlie Alpha. Alpha, vert, pour vert. Information de l'activité voltige vert. À Pont-sur-Yonne à l'arrivée. Reçu, passage devant. Donc plein de travers la centrale. Donc il y a Gien, il n'y a pas de terrain, par contre il y a Briard un peu plus loin à droite, il y a un terrain. Hésite un petit peu à aller poser, tu sais, sur certains terrains comme ça qui sont... Ouais, je t'entends pas bien. Pardon, t'as dit quoi? Je disais, il y a des terrains comme ça sur lesquels on pourrait aller, tu sais, mais ils sont en herbe. En général, les terrains en herbe, tu sais, ça incite pas trop, enfin je sais pas, ça m'incite pas trop à y aller. Ouais. Pourtant, on décolle quoi, c'est pas un problème, mais c'est pas. Info de Fox Golf Oscar Romeo à 1 minute du largage au 135. Ça me paraît un peu proche pour Edria. Le largage à convenance, toujours des planeurs et rappel en descente. Alors à partir d'ici, on va tirer franchement à droite. Hein. C'est quoi ton prochain point, Montargis? Le prochain point il est là-bas. Nous on va là-bas évidemment. Normal. Bah ouais. Sinon c'est très facile. Bah non, il suffit de suivre le train là-bas, c'est pas drôle. Delta Fox, on est passé en dessous de la petite dégage, on restera VMC. On va traverser l'autoroute de manière perpendiculaire. Ouais, je suis Delta Fox. Tu vois, en étant loin de la ville. Hein. Donc on passe au-dessus de la Loire, les gars. Fox Alpha Québec, vous êtes en vue de Pont-sur-Yonne? Là on est sur du 0,90 quasiment. Au revoir. Et quelque part en dessous on a un canal là. On va remonter qui nous amène. Ah ben tiens, il y a de l'eau là-bas. Le canal qui nous amène à destination. Et là c'est pas trop compliqué comme navigation en cheminement. Bah d'ailleurs il y a la ville, bah ça y est, je vous renvoie le canal, là il est en dessous là. Donc on a la petite côte carrée, donc là c'est 3003. Bah je sais pas ce que c'est comme autoroute mais...
Autoroute. Novembre 217 Echo Tango, descend des niveaux 7-0 pour y être stable en maximum 6 minutes, cause trafic et direct impair. On a du vent de gauche, hein, la vie est quelque part à droite, on passe pas dessus. Novembre 217 Echo Tango. Il y a un château à gauche là. Ouais. Ah là 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 là, Johan. Attention derrière pour un secoué droite-gauche. 2, 3, PAM! Donc, quand je vois que je sais, ça va, mais c'est la surprise. On te sent pas arriver. Bah ouais. C'est ça qui est surprenant, ouais. Alors, hop, on va mettre. Alors ça c'est bon. Donc normalement, on est sur la droite là. Tout à l'heure. Il est où le canal? Ah bah s'il est là. Il doit être là, là, à droite. D'ailleurs on le voit. Ah oui. Alors si on n'arrive pas à le suivre parce qu'on est trop haut, faut descendre. Faut le suivre. Moi je l'ai trouvé, il est là-bas. Fox Hotel Alpha Delta Fox voilà. Est posté avec Blois et les FOQ sur 118-455. On passe avec Blois les FOQ 118-455 et nouvelle ETA 1455. Jusqu'à Montargis. Ouais. 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 Montargis, ça va être la grande ville, un truc au fond là-bas. Ah ouais, on est pas loin. Là. C'est bien de naviguer comme ça. Ah oui, c'est bien. Faut juste pas rater le petit canal. Ah bah oui. Hein. Faut bien mettre le doigt sur la carte et puis savoir où t'es. Ouais, là on le voit. Toujours le canal à droite là. Ouais. Ça ressemble à une route. Ah, il y a pas mal de plein d'eau. Ouais. Fox Golf Alpha Victor Alpha, transpondeur 7000, quittez la fréquence, au revoir. Transpondeur 7000, quittez la fréquence, au revoir. Il y avait encore un petit shadow là-bas. Je crois qu'on est à peu près une bonne hauteur là, c'est stable. On se fait pas secouer. Alors on a un canal, on a la ville, donc on est là maintenant, petit lune. Là-bas il y a une ville jaune. Là, on va devoir tirer plutôt vers le nord, a priori. Donc, comme prévu, un peu de nuages. Donc ça, c'est une ville blanche, en fait. Celle qui était précédente, elle était jaune, tu sais. Elle était à peine plus grosse que celle-là, et celle-là, elle est blanche. Alors là c'est bizarre. Ah, le canal il tire à gauche. Alors je vire à gauche. Ouais. Je remonte sur une ville jaune là. J'avais dit qu'il fallait aller au nord à un moment donné donc. Ah oui là on aurait été. Ouais, on avait obligé d'aller vers le nord. Ouais. Bah Montargis en face là-bas. En 10 faces, de face. Hein. Considère que t'as tes 20 minutes là. Ok, merci. Bon, non. Effectivement. Donc on est passé de 3 à 1. Alors on a la pompe. Hop. On est au central. Et on bascule à droite. Et off. On a mis. Ouais. Pas de problème moteur pour couper la pompe. 20 minutes à nouveau. Encore 20 minutes. Ok. Transpondeur 3401 identifié. Rappelons. Merci. Retour vers Malin, GNHP.
Donc c'est un c'est... Alors attends, voilà. Châtillon, Coligny. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là on tire légèrement 350. Et on suit le canal qui nous amène droit sur Montargis là-bas. Ensuite Montargis on le laisse à gauche. Et on récupère le loin. Qui nous amène Nemours. Nemours. Et à Nemours, on oublie la navigation. Est-ce qu'on pourrait prendre 20 degrés à droite pour éviter la ville de Montargis en face. C'est ça, ouais, ouais c'est ça. Monsieur, on verra un retour sur. Non, non, parce que t'as pas l'impression que c'est aussi proche que ça sur la carte. 0, 7, 8. Ouais, c'est à 5 minutes. Bonjour, ça fait quoi, ça droite. Ouais, effectivement, là, on voit les FEM. Non, et FEM, il est là, tu sais, moi, bah, il va bien là-bas. Vous pourrez éviter le trait. T'as pas ce problème toi Laurent, le problème de d'avoir un trait à suivre. Ah non, ça c'est ça. C'est jamais ça. Ah par contre on reste à gauche du canal. Et donc là en passant à droite de Montargis, on va passer sur un château. Ah très bien. Le château de la Motte. D'accord, il y en a en dessous là, enfin c'est plutôt un manoir. J'avais pas très bien entendu le 105, et on passe avec le domaine. Je l'ai pas sûr. SDVFR là que tu nous dis. Ouais c'est ouais ouais c'est ça. Par la droite dis par ici hein. Par la droite, bon, en laissant la ville sur un endroit en gauche. Ouais. Ah, en laissant la ville sur la gauche, ouais. Ouais, il est en bas, oui, ça s'appelle château de la Motte. Ouais, un château au milieu d'une forêt. Hein. Ouais. D'accord. Mais vous piloterez pour aller loin. Tout droit. Bah droit. Tu restes bien à droite de la ville, enfin limite droite. Tu tangentes la ville. D'accord. Bon, là-bas, je reste à gauche du canal qu'on voit toujours. Ouais, ouais, ouais. Bon, on le voit, mais on est un petit peu trop au-dessus, donc je vais m'éloigner. Ouais, on le voit, puis il est pas en ligne droite, quoi, donc il zigzague. Et puis à la caméra, je sais pas si elle voit bien en bas, donc... Ah non, je suis pas sûr, là, parce qu'il est quasiment en dessous, là. Donc je m'éloigne un peu. Je vais être accusé de forfanture sinon. Comment? On va me dire tu suis le canal, mais en fait on voit jamais de canal sur ta vidéo. Bah ouais mais ouais. Et on le voit sur la droite là-bas le canal. Ouais. Bah il arrive comme ça. Ouais. Donc je vais chercher la zone machin là et puis on passe dessus. On avait fait, je sais pas si tu te souviens Johan, quand on était venu, ça doit être le vol sur Aubigny, on était passé par là, mais dans l'autre sens évidemment, et on avait cherché cette zone avec les grands bâtiments. Alors, Montargis, le terrain est quelque part à gauche là. Le terrain, moi je l'ai vu, je l'ai passé plusieurs fois, oui je le connais. Ouais, il est au sud. Je me suis jamais posé dessus, mais... Je crois qu'il est assez orienté planeur ce terrain aussi. Oui. Planeur et parachute. D'accord. Je vois des hangars là-bas, ça pourrait bien être quelque chose par là. Il est à côté de la route, de l'autoroute. On voit l'autoroute. Voilà la partie sud de la ville. Ah si, je crois qu'on est en train de croiser les axes là, du terrain. Et là-bas là. Ouais, c'est par là. À peu près à 11h. Ah, comme ça tu veux dire là. Ouais. Ils sont comme ça les axes. Il me semble qu'ils sont vers le sud-ouest. Pas droit pour éviter la ville, attention, tu arrives sur la ville. Ouais, non, t'as raison, ils sont sud-ouest, nord-est. Les terrains ont magasiné, c'est toujours difficile, mais... Ouais. Ah, il y a des bâtiments, mais je vois pas de piste qui correspond. Par contre, on voit la route, ça va être parallèle comme ça, là. Alors, par contre, là, on est, voilà, 34. Là, j'avais calculé 30 plus 5 environ, on est 34. Voir de Melun, c'est dans 14 minutes. Mais on n'ira jamais au bord de Melun, donc on s'en fout un petit peu. Je vais quand même le marquer, 34, 48.
48 plus plus. Ici je rentrais Sierra Mike. Hein. Très bien, ça tombe bien, c'est ce que je préférais. Donc il y a le château de... Tu vas pas faire le château? Ouais, s'il te plaît. Un peu à gauche, après, dès que tu peux, là, après la ville. D'accord. Je prends un peu à gauche. D'accord. Je pense qu'il y a cette ville là, là, ouais. Petit village, et c'est juste avant. D'accord. Ouais. C'est collé à la ville. Village. Si tu restes sur ce cap, on l'aura sur la gauche. D'accord. Bon ben, je vais tourner à gauche dès que possible. Ouais. Pour prendre la grande forêt là. Voilà, par là il y a le moins de maisons. Là je pense qu'il est dans l'axe, le château. Dans l'axe du château qui est quelque part là-dedans. Ouais, alors ouais, ça doit être là. D'accord, donc je vais sur la forêt et hop. Ouais. Montargis qui est une grande ville, hein, mine de rien. Ah ouais, le terrain il est peut-être là alors. Ouais. Là on va croiser les axes du terrain. Ouais. Il y a des bâtiments, puis on voit une bande. C'est, voilà. C'est ce que je voyais tout à l'heure, ouais. Ouais. On voyait pas la bande en fait, il y avait encore quelqu'un. Ouais. Là c'est pile dans l'axe, là c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Les hangars sont pas dans les. Ouais, ouais, tout à fait. C'est le nouveau robot, c'est bien, on ira pas jusqu'à là. Et c'est l'info, rebonjour le largage X-Nord, on va monter vers le niveau 100, monte à la vie. X-Nord, rebonjour, identifié, largage approuvé, à la descente. Le château, il doit être sur la descente. Donc le château, quelque part en dessous, alors. À droite, site de la ville. Village. Je le vois. De Bravo Charlie, bonjour. Bravo Charlie, bonjour. Ouais, j'ai pas vu, il doit pas être très gros. 403 personnes à bord actuellement en évolution aux alentours de l'aérodrome de Briard et en montée pour le flight level 65. Ah, il a la petite maison qui est en fin carré. Il y a des arbres à l'entour, ça devrait être ça. Vous allez quelque part d'autre. Ouais, la maison, ouais, la maison qui est... Mais c'est pas un château, mais il n'y a pas autre chose. Ouais, je vois pas autre chose. Évidemment, ça va, c'est hypothétique alors. Donc on va profiter de l'autoroute hein, pour croiser le loin. Et à présent, on voit le loin. Il y a un petit village de Trecamp, ça va. C'est ça. Oui, le petit village de Vanta, bon. Ok. Base nautique en dessous. Vous pouvez passer avec bonne information. 135, décimale 850. 135, 850, et je reste en 75, au revoir. C'est une zone industrielle, c'est pas un village. 301, contacté de Gaulle approche 121, décimale 155, au revoir. 121, 155, au revoir. Je me demande si on était pas remonté une fois d'ailleurs par là aussi. Bon, ben en dessous on a une jolie base nautique. Ah jolie, elle est grande. Ça pique quelque chose, on avait dû le faire une fois aussi. On peut voir qu'il y a beaucoup d'autoroutes. Bon, en venant d'Aubigny, sans doute. Ouais, ben on a dû faire ça en venant d'Aubigny. Bon, on va revoir. Il y a plein d'étangs, plein de choses comme ça, regardez donc. Ben voilà, il y a un canal là aussi. Ouais. Ben là c'est le loin directement. Il y a peut-être un canal aussi à côté alors. Ouais ouais, on y passe juste au-dessus. Là. D'accord. On est vertical. Bon. Donc ce nom voit faire un trafic VFR inconnu midi de nautique convergent 300 pieds bas. Alors c'est reçu, on cherche et on monte un petit peu. Okay.
Jean-Luc. Ouais, ouais. On finit les vacances en beauté. Ah oui. Tranquille. On a déjà Neubourg qui est devant là-bas. Ouais. Bon, rapide. Attention, droite, gauche. Droite, à droite. Gauche, droite. Youhou. Bon, toi, te lever, ça va, mais moi, quand c'est surprenant, c'est ça que je sursaute. Bon, je le vois pas. C'est marrant parce que quand on est au commande, on sent l'avion. Oui, 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 t'es pas surpris. Ouais. De Novo Mongol, visuel sur le trafic, il était au sud de notre position. Oui, maintenant il est au sud. Je connais cette vue là en SDVFR, on ne te pas la coupe verticale, c'est très intéressant. C'est ça, ouais. C'est intéressant. Non, mais les zones, les terrains. Oui, les coupes verticales. Tu te fais comprendre. Oui, il est balayé, ouais. Souvent une coupe verticale et tu vois qu'il y a assez. 10 minutes devant toi la coupe verticale. D'accord. Je ne connaissais pas cette fonction là. Donc on arrive dans une zone très haute, FL65, donc là on est tranquille. Donc là on est où on croise. Donc à droite on a un 29 qui s'appelle Dordive. Là c'est Dordive. Ouais. Et Château-Landon à gauche. Château-Landon, exactement. Un grand bâtiment. On a soupe sur loin. Soupe. Bah, ça doit être ça, c'est soupe là. La ville là, c'est chez quoi? Neubourg. Et juste après Neubourg, il y a un château. D'accord. Mais ça doit être un château comme ce genre de château qu'on va jamais mais. Ah ben là il y en a en dessous là. Pleine info du Fox Golf Charlie Hotel Sierra. Oh bonjour. Fox Golf Charlie Hotel Sierra, bonsoir. Fox Golf Charlie Hotel Sierra, ça passe en joli pont. En provenance de Pont-Saint-Agir, la destination de l'Ouest. Là c'est très bas pour passer tout. Très chaud. Fox Golf Charlie Hotel Sierra, transpondeur 70-36. 70-36, transpondeur, Hotel Sierra. 7036, 70-36. 70-36. On doit traverser les courants parce que des fois il m'indique moins 2, plus 3, plus 2. Alors que l'altitude est constante. Fox Tango 2 fois, attendez, largage 135 à Orléans. Fox Golf Tango 2 fois, bonjour, identifié, largage approuvé, rappel en descente. Ah, c'est quoi ce grand bâtiment là? Je dirais des îles quelconques. Ryanair 8, Hotel Echo, good day, descent level 70, direct Bavol, be level 10 nautical miles before Bavol, speed is yours, rate of descent is yours. Bon alors, Neubourg. Ryanair 567. Confirmé. On va se balader sur Fontainebleau. Ryanair 567, good evening sir, direct for Peel, climb level 110. Là-bas on a la ville de Bordeaux. Level 110 to Fontainebleau, Ryanair 567. Et c'est un info du Fox Hotel Alpha Tango Oscar, bonjour. Fox Hotel Alpha Tango Oscar, bonjour, je vous rappelle. Ryanair 567, New Stroke 2335. 2335, Ryanair 567. Tango Oscar, je crois.
Donc Fox Hotel Alpha Tango Oscar, DR 400, deux personnes à bord en provenance de Logne. On a fait un transit par Pont-sur-Yonne, on va à Cézanne et après retour Logne. On est actuellement 3500 TQNH 1013 au sud-est des installations de l'urgence sur 7. Fox Hotel Alpha Tango Oscar, transpondeur 3456. 3456 pour Tango Oscar. Ryanair 567, contact Bordeaux 127675. 27675 Ryanair 5675. Bye. C'est un info de Fox Charlie India, bonjour. Fox Charlie India, c'est un info, bonsoir. Informé de Fox Papa, bravo. Charlie India, Ménestrel, une personne à bord décollée de Blois à destination de Nancy et C. J'ai 7000 répondeurs, je suis allé de Blois. Ok, donc en dessous de ce qu'on a là, c'est l'autoroute à 6 là. Il y a Charlie India, pardon, 3700 unité. 3-4-0 unité, Charlie India. Alors on va regarder comment on suit. On a vu le alors finalement là-bas. Tout à l'heure j'avais un doute, je me suis dit c'est peut-être la ville de Fontainebleau. Mais c'est trop grand pour Morée. Morée elle est là en fait. Donc là-bas c'est la ville de Fontainebleau. Et on reconnaît, il y a le grand bâtiment qui ressemble à rien. Ouais, c'est ça. Donc on va suivre l'autoroute à 6. Alors attends, on va réfléchir un peu. Ouais. Pas sûr. On va passer par Sierra Mike. Ouais, tout à l'heure. Dans une demi-heure. Ah bah Fontainebleau, une fois j'ai fait un circuit. Maintenant on peut y rester un quart d'heure, 20 minutes. C'était la face Tango Oscar identifié. Identifié dans Oscar. Fox Papa Bravo, Charlie India identifié. Allez bien. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'habitude depuis le bas évidemment, quand t'es en hauteur, aucun point de repère, rien du tout quoi. En fait, il n'y a rien qui ressemble plus à une forêt qu'un autre morceau de forêt. Hein. Là, je ne me rappelle jamais le nom de ce petit bassin. Il y a Morée-sur-Loing et à côté, il y a une autre ville. Un château aussi d'ailleurs là. Un château. Montreau, Foyonne. Non, celle-là, ah. Elle est un peu plus loin à droite, Montreau. Ben, je vais essayer de m'amuser à voir un petit peu si je reconnais. Reçu, hôtel Sierra. Donc là, tout à l'heure, tu vois, Laurent t'a dit un truc magique, t'as dit Sierra Mike, c'est là-bas. C'est bizarre, l'avion, il m'emmène là-bas. Ah ouais. C'est étonnant. C'est incroyable, ces avions. C'est un truc de fou, ça. Bon, il a un GPS, il a la carte, il voit que Sierra Mike est par là, et lui, à droite, il est par à gauche. Ouais, c'est logique. Logique. Gauche, esprit contradictoire. On a donné notre destination au contrôleur, il a dit oui, mais c'est pas par là. Même le contrôleur a été surpris. Je sais plus, on était vers où 4500 pieds. On allait dans l'ouest, je sais plus où, mais... Ouais, on avait quand vers l'est, on allait à Grandville. À Grandville, ouais. On allait à Grandville. Ouais, c'est le Bravo Service. Ok, donc là, ça, je sais ce que c'est, on va y passer. Bravo Service, alors, ça descend pour un retour. Ah, ici, là, je crois savoir. Reçu, on voit Paris. Transpondeur 7000, qui était la fréquence, hein. Et au revoir. Merci, monsieur. Prolonge le plaisir, les gars, je prolonge le plaisir. Oui, mais dans... attention pour l'altitude, donc... Ouais, ouais. Dans 5 minutes limitées... Bon, tant qu'on reste au-dessus de Fontainebleau, on est à 3005. On va pas aller plus loin, on va virer comme ça, okay. On va chercher à droite, là. Ok. Attachez les mains, Johan, s'il vous plaît. Je vais être obligé de vous secouer, sinon. Send information, Fox... Donc là, ça doit être HR. Uniform, good day. 1 minute. Ouais, 1 minute. Non, 20 minutes. On est à 20 minutes. Ouais. Ok, on prend Laurent, on met la pompe. En cas de problème, on a l'autoroute.
Par le bas, Fox Golf Golf Québec Uniforme, Sun Information, hello. Retour sur le central. Ouais. Voilà, comme ça, on les remis dans l'état où on les a pas VFO 002 POB, VFN Navigation from Orléans to Lognes. D'accord, ok, donc ça c'est là, et là c'est là-bas. Ok, Fox on va faire ça. Québec Uniforme, Fox 7040. Fox 7040, Fox Québec Uniforme. C'est l'information, bonjour, du Fox Juliette Charlie, vous allez bien. Fox Jet Charlie India Lima, bonjour, transpondeur 3450. Attention, bon monsieur, Fox India Lima, transpondeur 3450. Donc là on a les sables du cul de chien. Ah oui, bonjour. Il a mis la forêt devant. Fox Hotel Mike, okay. Bon, non, à la droite là-bas. Ok, Fox, mais après Charlie toi... India, fera attention à la zone. Bon, appelez les malins de 3 minutes avant. Charlie ouais, ouais. India, ouais, je passe juste au nord de la zone. Ensuite. Ah, parce que la mec malin. Table du kutch. Bon, il y a niveau rocher des... Qu'est-ce qu'il nous fait, Pascal? Là, je me fais plaisir, en fait. Il fait un tour autour du cul du chien. Ouais. Mais tu vois la pluie qu'on a dit qu'il va arriver avant 18h, parce qu'il est en train d'arriver. Ah bon, on va l'attendre, alors. Moi, je veux vérifier leur météo, là. Je leur fais pas très confiance, en fait. Comme ça, on n'éteint pas l'avion. Ouais, exactement. Il y a des petites baraques au milieu de la forêt, c'est... Fox ouais, Golf Juliette Québec Uniforme, un DR-400 avec deux personnes à bord en provenance de Chavet à destination de l'installation. Nous sommes au niveau du point Sierra Mike. Ouais, il y a des endroits qui se baladent, tu sais. On se reporte en vertical terrain et on rappellera au niveau de la verticale. Normal, Yohan. Regarde la forêt, Yohan, c'est ça qu'il faut regarder. On n'est même pas à 30 degrés. Voilà, un peu de Fox Québec en groupe, on va aller là-bas. On s'allie et on rappelle pour le décollage. Là l'autoroute, donc on récupère l'autoroute, on a le péage. Donc sur la carte, on est... On roule pour le 5 mai. Terra Mike est à gauche. Bon. Donc j'ai à droite en fait. Alors Terra Mike est à droite. Ouais, non. Ouais mais voilà ce que je veux regarder moi. Ah, c'est la plaine de Champfroid, ça s'appelle. Réserve ornithologique. Si vous voulez voir la Vierge, vous regardez en dessous, Olivier. Bon, c'est bon, t'inquiète. Vous voulez voir la Vierge? On va pas la voir en vrai, non. Ah non, je te parle pas en vrai, moi. Alors, je te parle en dessous. Québec Tango, Alivier Piste 28, on décolle, on monte 1500 pieds, on se dirige vers Bravo. Droit, Fontainebleau. L'autre chose que je voulais voir, ah oui. Le Fox Québec Uniforme, on est au sud du terrain, à 2000 pieds, au niveau du château de Paul-Vicomte, entre le terrain et Sierra Mike. Alors, Sierra Mike à 3 minutes, ça. Quand on marche, des fois on voit des avions, ils passent, ils sont vraiment pas hauts. Je pense qu'ils sont moins hauts que ce que nous on est là. N'oublie pas d'appeler Malin. Ouais, parce que là on est pas loin. 2 minutes là. 2 minutes de Malin. L'information du Fox Oscar, bonjour. De l'info du Fox Victor Oscar, bonjour. Et la personne, vas-y, passe ton message. J'ai d'autres infos aujourd'hui, Oscar. Autant d'informations, vas-y. Donc voilà l'info, le Fox Golf Mike Victor Oscar, un DR400, on est 2 minutes au sud-ouest de Sierra Mike. Si on va arriver environ 2000 pieds, on viendra quand on sera à 30 secondes de la verticale Sierra Mike. Fox Victor Oscar. Pour information, Fox Bravo Extrait Novo Mongolf, Cessna 150, au retour vers les installations, actuellement à 2200 pieds
QNH 1013 et on sera vertical les installations d'ici 7 minutes. Drone de la Soul. Le Fox Québec uniforme à 30 secondes de la verticale terrain 1900 pieds QNH. Au sud du terrain. Viens, rapace, c'est passé pas très loin. Oh. Ah, Johan. Allez, 30 degrés pour Johan. Voilà. Le terrain, droite. C'est quoi, c'est un hippodrome ça? Hippodrome, ouais. Ah ouais. Ouais, celui de Fontainebleau, je pense. Ah oui. C'est bravo du point d'arrêt du Liège, on pénètre et on saigne 19. Fontainebleau, ben, on a le château qui est quelque part à droite, non? Ah, bah, il est quelque part à gauche. Ah ouais, là-bas. Oh, c'est un truc là. Melun de Fox, Québec uniforme, on est vertical terrain 1800 pieds, on se rapporte en début de vent arrière 28. Appel à intégrer. Pas personne. Lui il dit rien. Voilà information, le Fox Tito Oscar, 1800 pieds, on est 30 secondes verticales, Sierra Mike. Fox Québec uniforme, on se reporte en début de vent arrière pour la 28. On a vu qu'il y avait un appareil qui partait sur la 19. Est-ce que quand il parle, lui, l'émission, vous l'entendez bien? Oui. Moi, c'est... Non, c'est pas très fort. Moi, je l'entends. Moi, je l'entends aussi. Quand t'es en émission, je l'entends très bas. L'avion 19 est bien pris. D'accord. Pour l'avion qui se reporte en arrière. C'est plus bas quand maintenant je t'entends bien, mais quand t'es en émission, je l'entends beaucoup plus bas. Ouais, je confirme. Je sais pas aller à l'extérieur si j'entends bien ou pas, mais... Donc on est en vent traversier pour la 28, ça sera un touché, faut que le Québec descend. De l'info, Oscar, on est dans la CTR, on va faire... verticale du château de Blandy. Je mets la piste en monitor. Ouais. Distance. Attention, risque aviaire. De toute façon, on va passer par oui. Trésil. Je vais montrer le terrain de Fontenay-Trésil. T'as déjà été le voir, Trésil? Affinité 0, unité 2. Enfin, devant traversier, on va passer en vent arrière. On a vu sur l'appareil qui vient de décoller en ligne sur le Québec uniforme. Ça, j'ai vraiment un visuel sur l'appareil. En début de vent arrière, on se reporte vers Sierra Mike. Il y a un avion qui vient de décoller de Malin. On fait ça et ça. Ah, j'ai un visuel sur un avion là-bas. Allez, en début de vent arrière, on a visé sur l'appareil qui se reporte vers Sierra Mike, Fox Québec uniforme. On est 300 pieds au-dessus. C'est bravo, visuel. De l'info du Oscar, on est 30 secondes verticale de vol du compte. On va passer à droite sur Blandy dans 30 secondes. 10 km. Dans. C'est les conditions du Bocombo-Golf, quelle est votre altitude? Merci d'informer le. Donc c'est l'information kilo. C'est 1-4-2-0-8. De l'info, Oscar, 1800 pieds vertical, volé compte. C'est reçu, je suis dans le même secteur et pour l'instant 2200 pieds. Pour ah. Québec uniforme, enfin devant arrière. On arrive donc à proximité de vol vicomte, on va passer en base. On n'a pas visé sur les deux trafics. Et nous non plus. Alors pour le trafic en tour de piste, je suis à 2200 pieds. Ah, c'est le trafic là-bas est croisé. Québec uniforme. À gauche. Oui. Ah ouais, d'accord. C'est celui qui est parti vers Sierra Mike, il a dit. Oui. Ok. Fox Québec uniforme en base. C'est bravo. Ouais. 1500 pieds à 2 minutes de temps. Ouais.
un avion là-bas, Pascal. Ouais. 42 Fox, ouais. Golf Bravo Tango Uniform, à P28 au parking de l'aéroclub. On a mis en route, on est prêt au roulage pour un vol local secteur Sierra Mike. On roule Whisky Delta et on appellera pour traverser la secondaire pour la 28. Bonne note. Parce que Québec Uniform en finale 28 pour un toucher. J'arrive à 2 minutes de la verticale du terrain, donc visuel pour le trafic en courte, et je suis à 1800 pieds QNH 1013. Donc 320 degrés 7 nœuds. À l'issue, ce sera pour une intégration et un complet. Température 2 unités QNH. Melun du Hypnoscar, on a passé Blandy, on s'éloigne vers Grandville. Vers Grandville, le Grand Puy. Pour sortir de la CTR par Fontenay-Saint-Denis. Runway News 26. 4 degrés et 7 knots. Degrés. Visibility 10 km. Version 2-1. Sunset à Tournay. Donc là on va se mettre 100 pieds. Il est moins aussi un Mike à 2100 pieds en sortie de CTR. La fréquence. On passe. Normalement, grand. Je pars à gauche là-bas. Donc c'est le uniforme en montée initiale 28. Et on reste 1900 pieds. On fera l'issue de la montée initiale, on fera un virage main gauche pour repartir sur Sierra Mike. C'est le uniforme. Variable brief. Tour de grise. Visibility. Romo Golf, j'arrive vertical des installations, visuel sur le trafic en montée initiale et donc après lui je vais m'intégrer en début de vent arrière, ma gauche, puisque ensuite ce sera pour un complet. Donc c'est quelque part par là, je cherche à la ville là. L'un de Fox Tango Uniform, on peut attendre Delta. On traverse la secondaire et on roule Charlie Zulu, on reviendra au point d'attente Zulu pour 28. Couché du soleil à 10. Info de Fox Québec Tango, on arrive sur le point Bravo, on déroute vers le point novembre, toujours à 1500 pieds QNH. Fox Québec Uniform, on va traverser 28. Le terrain est dans l'axe. N0 Ouais, c'est ce que je me dis, mais je le vois pas. Je le vois. Temperature 2-1 QNH. De la ville, y'a pas de doute, c'est ça? Oui, on va à l'autoroute, c'est après l'autoroute, ça va être avant la forêt. On va les camions sur l'autoroute. Ouais, donc l'autoroute ça va être en face et ouais. Lui avant la forêt. Ouais. Après la petite première, avant la deuxième. 120 degrés 7 nœuds, variable. Au 0,40 et 10 km. Ouais. Donnant ça. Fox Québec Uniform, on sort du circuit, on monte à 1800 pieds QNH, cap 130. Je vais à gauche, Laurent, en terrain. Être un peu plus à gauche. Non, d'une piste. Voilà, un peu de Fox de Québec sur vous, on va se demander si je vois la piste juste en face. Je le vois, ouais. Juste en face, la piste perpendiculaire à nous, parallèle à la forêt. Ouais, un peu plus à gauche. Que je pense, mais 2 degrés à gauche. Voilà, elle est dans l'axe près. De l'information, il faut de stop limite CTR avec Fontenay-Saint-Denis, donc on quitte, on passe avec eux. Au revoir. À Fontenay. Fontenay-Tressigny, bonjour, Fox Golf Mike X Oscar. Fontenay-Tressigny, X Oscar, on arrive une minute à l'ouest des installations par la CTR. On est 1900 pieds pour passer vertical terrain, donc 1900 pieds. Direction Logne. On n'entend rien de tout quand on te parle, peu les trois. Ouais, là c'est vrai que c'est bas. On voit la piste. Ouais, donc c'était bien ce que je pensais, tu vois, mais je la voyais pas. Pas compliqué, hein, tu vises les hangars, t'as la ville, l'hangar et t'as le terrain qui est derrière. De loin, tu le vois pas.
Fontenay Trésilix, Oscar, on est 15 secondes verticales, 1900 pieds. Ah, tu vois l'avion qui est là, Laurent? Ouais. Ah ouais, ouais. Un briguet, c'est ça? Ouais. Un petit château aussi. Voilà, visite du terrain. Donc je prolonge encore un peu le plaisir. On voit pas d'appareil. Il est quelque part à gauche là-bas. Là on a une grande ligne tout en haut. Ouais. Donc il y a 1500, il doit être non. Ah, là il est à 2000, ouais, 2005. 2005, mais là dans pas très longtemps, il faut, que tu sois à 1005. Ouais. Fontenay Trésilix, Oscar, on est anodique nord des installations, la fréquence, au revoir. On va descendre. Tant pis. Version 2-1, QNH 1012, Sunset at 1841 UTC. Please inform Lion Source Contact that you have received information Kilo. Tu auras tout ici, Lion Information Kilo, enregistré à 14h20 UTC. Distance service 26. Attention, risque aviaire. Vent 320 degrés 7 nœuds, variable du 290 degrés au 0,40 degrés. Visibilité 10 km. Température 2 unités. QNH unité 0, unité 2. Coucher du soleil à 18h40. On est déjà 1500 points. On continue de descendre. Ah ça y est, j'ai retrouvé la vue de la route. Ah c'est la petite route, c'est pas... Ouais. Fox Novembre Alpha, piste 26 gazonnée autorisé, touché, vent 230 degrés 8 nœuds. Piste 26 gazonnée autorisé, touché, Fox Novembre Alpha. Ah, tu vas descendre directement à 1200. On est 1300. Fox Québec Rallye Lima Gator, bonjour sur le bio. Soyez-vous preneur d'un virage droite après le décollage pour vers l'avant arrière. Bien. Alignez-vous piste 26 du autorisé décollage. Fox Québec Rallye vent 270 degrés 9, 9 virage droite à prouver. Rappelez pour quitter. J'arrête l'anticol parce qu'il fait vers la table. Ah oui, d'accord. Et l'étonnant c'est qu'il l'a fait un peu puis après il s'est arrêté, tu sais. Ça dépend sur quelle fréquence. Ouais. Sur certaines fréquences il le fait, parfois il le fait pas. D'accord, c'est original. Donc point écho. Donc là on a Villeneuve-le-Comte. Là les, c'est l'autoroute, là c'est la 4 là-bas, à droite, ouais, c'est ouais. Ça. Faut faire gaffe parce qu'il y a un piège, ça c'est pas l'autoroute à 4 ça. C'est une route qui mène vers l'intérieur là-bas. Oui. Un trafic à droite mais il quitte le... Non mais il quitte le... il va vers l'est. Ah ouais, visuel, ouais. Bien joué, merci. Bonne information du Fox Golf Mike Oscar de retour avec l'information Kilo. Fox Oscar, la niveau bonjour, 37, 30, ça va être écho. 37 points. 3730 Foxtrotka. 3730 affiché pour Xtrotka. Fox Fox et Yankee, Logne Tour, bonjour, alignez-vous piste 26 U, autorisé décollage vent 290 degrés 9 nœuds. Salut, on décolle 26 U en Fox Fox. On sortira par écho, Fox Québec Charlie. Ça c'est Fox Québec Charlie. Bonjour, après le départ du PA 28, alignez-vous piste 26 dur et attendez. Après le départ du PA 26, je m'aligne 26 dur et j'attends. Donc là, on me voit. On la voit à gauche là-bas, l'autoroute. Là, on a les machins village. Là. On la récupère en dessous. Ouais. Voilà.
arrive à la maison, c'est déjà fini. 5 heures. Bon, il y a personne, sinon elle nous l'aurait dit. Hein. Je vois personne à droite. Non. Fox nombre de Fox, piste 26 jours, autorisé décollage 2590 degrés, 1 heure, trafic sur la suivante initiale pour le site. Autorisé décollage 26 jours, visuel sur le collègue, Fox nombre de Fox. Fox Québec Chahi, trafic midi 5 nautiques sans s'opposer, 12 sentiers, Robin pour Eto. Je suis Fox Québec Chahi, on surveille. Fox X-Ray Oscar, trafic midi 5 nautiques sans s'opposer, 2 sentiers, au Robin. C'est bien reçu pour X-Ray Oscar, merci. Fox novembre Alpha, numéro 1. Belle finale 26 gazonné, Fox novembre Alpha. Fox, si vous préférez la dure. Hein. Confirmé, 26 dur, Fox novembre Alpha. Non, c'est comme vous voulez, tout à l'heure vous m'avez demandé la gazonnée, mais si vous préférez la dure, elle est disponible. Confirme la gazonnée, 26 gazonné, on rappelle finale, Fox novembre Alpha. Merci. Fox Québec Charlie, le Robin précédemment annoncé, midi de nautique sans s'opposer, 300 pieds haut. Regarde le visuel, on a obliqué vers le sud, Fox Québec Charlie. Fox Québec Charlie transfert satellite, quitte à tout à l'heure. Et on quitte à tout à l'heure. Fox X-Ray Oscar, le trafic précédemment annoncé, vire vers le sud-est. Rappelez écho. Oui. J'ai reçu, on a visuel, on rappelle écho dans 30 secondes. Fox Oscar Papa, le Nippon, bonjour, à niveau piste 26 dur, autorisé décollage en 290 degrés 7 nœuds. Je m'aligne, décollage 26 dur, Fox Oscar Papa, bonjour. Fox Fox Yankee, numéro 2, trafic précédent, Robin, fin de vent arrière pour l'herbe, rappel final, piste 26 dur. Elle est de suivi, et je débute le parachute. Numéro 2, rappel final, 26 dur, Fox Oscar Papa. Pas du tout, Fox X-Ray Oscar, Rico. Fox X-Ray Oscar, exécuté approche direct, piste 26, gazonné. Numéro 2, trafic précédent Robin Base, rappel final, piste 26, gazonné. Fox 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 Yankee, trafic Robin Base, écho, longue finale, gazonné. Je vous ai pas reçu. Reçu Fox Yankee. Fox X-Ray Oscar, trafic PA28, fin devant arrière pour la dure. C'est reçu pour le PA28, on a un visuel sur l'appareil sur la gazonnée. On a visuel Fox Yankee. Fox Yankee. Pas trop rapide, t'as encore aucun train de voler, t'as pas de masque blanc. Pas encore. Fox novembre Alpha, piste 26 gazonné, autorisé touché, vent 280 degrés, 7 nœuds. Oui, touché 26 gazonné, Fox novembre Alpha. Fox Fox Yankee, visuel du Robin en finale pour l'herbe. Affirme Fox Yankee, on a visuel sur les deux trafics en finale 26 gazonné. Oscar, visuel sur l'appareil, sur la Oscar, quand il n'y a pas, je vous rappelle en courte. Fox, Fox Yankee, piste 26, dur, autorisé de toucher, vent 290 degrés, 7 nœuds. Trafic Robin, courte gazonnée, tour de piste également. Piste 26, dur, autorisé de toucher, Fox, Fox Yankee, visuel sur votre trafic. Ok. Sur l'autre. Line Tour, rebonjour Fox, Golf Golf, Juliette Alpha. Fox JF Golf, bonjour, François 3730, je vous écoute. François 3730, de retour de local actuellement à 1200 pieds pour intégration. Fox JF Golf, rappelez écho. Ouais, Fox JF Golf, je rappelle au point Fox, nombre de fois, François 7, quittez Bonval. Fox, novembre 2 fois, François 7000, quittez Bonval. 7000, je quitte, Fox, nombre de fois, là. À redécoller lui, continue. Un peu de vitesse. C'est du Fox Juliet Golf pour information, c'est preneur. Suite d'un toucher piste gazonné pour commencer, s'il vous plaît. Je suis Fox Juliet Golf, pas d'intention. Merci.
Papa, je vais faire un étage en 30 degrés, s'il vous plaît. Oscar, autorisé atterrissage. Donc, Oscar, papa, je vous écoute. Oui, est-ce qu'on pourrait faire une verticale 500 pour une sortie céleste? Donc, Oscar, papa, verticale approuvée, rappel pour quitter. Verticale approuvée, rappel pour quitter, Oscar, papa. Fox Delta Papa, Logne Tour, bonjour, alignez vous piste 26 dur et attendez. Fox Delta Papa, on s'aligne 26 dur et on attend. On va sortir à l'autre bout là-bas. Alors, il y en a un. Voilà, là. Ouais. Fox Noir Bracha pour information, trafic arrière droite à 28, tout début de montée initiale, piste 26 dur. Oh, c'est normal, enfin, on n'a pas de trafic en vue. Fox Fox Yankee, essayez de garder l'axe de la montée initiale, trafic avant gauche, Robin, tour de piste gazonné sur votre avant gauche, visuel. On garde l'axe, on a visuel, Fox Fox Yankee. Trafic en vue, normalement, ça. Toi aussi, merci. Fox okay. Delta Papa, piste 26 dur, autorisé décollage en 280 degrés, sinon. Fox Delta Delta Papa, 26 dur, autorisé décollage. Fox Fox Alpha Lodge. Dur, prêt au départ. Fox Hotel Papa, maintenez avant point d'attente, veillez la tour 118 décimale 6. Je vais maintenir avant point d'attente et je veille la tour 118 6 Hotel Papa. Bonjour Sol, 26 gazonné, numérique Oscar pour aller à Salis. Fox sur Oscar, par la gauche, roulez, rappelez Whisky 2. Par la gauche, je roule, je rappelle Whisky 2, Oscar. Fox Oscar, risque 2. Fox Oscar, croisé rapidement, rappelé avant devant. Je croise en roule rapidement, Fox Oscar. Et on fait du rallye. Fox Oscar, vous pouvez rouler, quitter Sadi. Fox et Oscar, on roule, on quitte la salle. Au revoir, bonne fin de journée. Fox Delta, prêt au point d'attente, souvent en unité, piste 26. Fox Romeo Delta, maintenez avant point d'attente, veillez la tour 118 décimale 6. Je maintiens en point d'attente et je veille la tour au... 18. Donc on s'est posé à 15 à peu près. Maintenez avant point d'attente et veillez la tour 118 décimale 6. 118 décimale 6, la tour 20. L'email X-ray, il y a X-ray, vous maintenez avant point d'attente. Je maintiens avant point d'attente, pardon, email X-ray. Bon, et ben voilà. Eh ouais. Déjà fini, belle balade. Ouais, bon. Sympa. Bon, on découvre un peu la... butte de l'île de France, hein. De se garer à côté de Charlie Papa. Voilà. Ok.
on enlève les clés, on coupe ça, ça, et on lève les volets. C'est bizarre voilà. Qu'on ne l'entendait plus là. Ah bah 1h50, elle est encore en train de tourner celle-là. Bon, et bah Laurent, mission accomplie. Bien, très bien. Ouais. On t'a ramené à la maison. Bah, bravo. Parfait. J'en connais une qui sera contente. Ouais. Bon. Crois-tu. Monsieur Jean-Luc. Bah écoute, heureux aussi. La saison est terminée. La saison est terminée. Ouais. Johan, ta saison n'est pas terminée, toi. Non, c'est 8 septembre à La Rochelle. La Rochelle. Oui, deux jours. Ouais. D'accord. Sortie club. Bon, ouais. C'est bien. C'est bien. S'il fait beau. Vous avez vu la cochonnerie qu'il y avait sur la droite, là, vers la Défense? La Défense, non. Ah oui, oui, c'était ça flottait. Ouais, ah j'ai d'accord. Vu, ouais. Ah bon, ouais, bah, c'est ce qui était annoncé alors. Oui, ouais, c'est ce qui va arriver d'ici une heure. Hein. Voilà, donc on est arrivé à 5h20, 5h15. Tu voyais plus rien, tu voyais plus la limite sol nuage. Donc le TAF, il avait raison alors, le TAF. Bon. Et celle-ci, est-ce qu'elle fonctionne? Non, celle-ci, elle ne fonctionne plus. Bon, on verra à quel moment elle s'arrêtait. Et lui, je vais l'arrêter aussi. Puis on libère les passagers qui veulent pas sortir, forcément. On est tellement bien dans l'avion, hein. Moi, je dis qu'on est tellement bien. On les recommence quand, ce vol? Bah, c'est la question que je me pose, en fait. Allez. Voilà. On va libérer la caméra pour mieux libérer tout le monde. Merci. Et pour la photo, cheese. Ouais, c'est chouette. Bon, tout le monde se voit dedans là ?